the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranches de plusieurs milliers d'hectares. Et nous, nous avons l'Inde. Et nous, nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kiki Luke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Machin pareil. Hey, Joe, plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. J'ai rien vu. Oh. Joe, t'es tombé sur une clé. Joe, elle est là. Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luke, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolie. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampooiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement, folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là. Mmh.
désolé. Cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes. Sherlock Holmes. Détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Faut pas se gêner. Si j'en juge la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces trois mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fog anglais? Mettre la main sur quatre dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Wow, wow. Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine une heure, sur la route de Painful Gulch! Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps! Cochet, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de l'intelligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les vers ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hé, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc,
Je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Lucky Luke! Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Luke, Luke, vous êtes là. Arrêtez. Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe. Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement. If you please. Oh. Rien de cassé? J'ai été assommé. Elle fait appeler anglais. Qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage rubicon de Grant, dégustant sa victoire, nous plongerait dans une humeur désaccrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luke. Une simple rogne d'ongles peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Mm-hmm. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. À l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis deux de mes franges à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luke est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luke. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 cartes par personne. Luke et Luke sort, suivons-le.
Salut beauté, on se promène? Alors? Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, votre majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, votre majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous, vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite? Je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fera sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vous auriez pu prévenir que ça mouillait! Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commandant Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous, vous suivez les préceptes du commandant Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, madame la reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté. Il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement de la grâce de la lune. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe, c'est moi, Lucky Luke. Je sais que vous êtes là. Avril! Ben quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire. On a des otages. Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends. Je te propose un marché, Joe. Moi contre la reine. Mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont. C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, Monsieur Luke. Dis, Joe, t'as
t'as pas peur qu'il... plonge? Où ils sont? Mais où ils sont? Là! Faut le sortir de là. Bah vas-y toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée. Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer! Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. I'm a poor lonesome cowboy. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Miss Deal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky.
Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste ? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée ? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non ? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalé ! Popo, Azalé ! Au pied ! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine, spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons, il y a de nouveau les bisons. On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiente de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce refus n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalé, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Laissez faire, les gars! On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalé, je m'occupe de Popo! Oh, oups! Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nul. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi! Non, ils sont à moi! Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de...
Les voilà! Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru! Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient! Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, Monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute! Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi. Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines. Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Viande des lunes en passé. Depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. Patatatata ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Oh, couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison.
Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Ben, où sont-ils passés? Popo, Azalée! Le chien-chien, le gros chien, couchien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, Monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, Monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop, j'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, Monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter! Je sais, je sais! C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo, Azalée. C'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée. C'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison.
Renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là ! Oh ! Grande carcasse ! Oh oh. Pardon, vous auriez pas une petite place. Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Oh Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro! Jean-Luc! Figaro! Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux louer? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John John Misdeal. Deux tofu et trois pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. J'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Bob le dingue. Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurai ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi ils m'emmènent dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gash.
chaque année un bon d'achat de 4,50 $ au magasin Le Pont Funèbre de par la baie Nile Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi! Je suis innocent! Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business. Nom d'un canasson cagneux, ce genre de choses, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien? Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. Vive Joshua! On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Alosius Ridla. Déplorer le désistement d'Alosius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie. Big Joe Miller a lui aussi une crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, Oldtimer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin, là. Venu de Poldavie. C'est où, ça, la Poldavie? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Le prisonnier s'est évadé! Hé! Hey. Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule! Temps! 3 secondes et demie! Allons, soyez bons joueurs! Rendez-vous! Ah, on peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir! Second concurrent, Bogdan Vaché Volo, machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui... Son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavo, le truc, remportent le grand rodéo de Nothing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Yeah! Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Hé, hey, mon chapeau. Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous.
La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillée en temps. Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais il n'y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit? C'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au congrès. Pour le congrès, je plaisante. Lucky Luke, ah, Lucky Luke, ah. La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le dingue. Luc l'a arrêté ce matin. Ta peau. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, ah, j'aurais ta... La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui, un peu plus bas. Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, oh, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère Bob le dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop, je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser. J'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh, hey, oh là, si je vous gêne, vous me le dites. Oh. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurai ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Ah. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovo-Djolovitch, prince héritier de Paul Davy. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de trois épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit.
Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle ? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux dehors la loi. Oh les mains ! Lucky Luke, tu es là ? Les presse-livres ! Ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein ? C'est dingue ! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, rentre en plan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation ? C'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor, cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce pot rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assommé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un facsimilé. Ça y est. Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle Intègre, notre chef me pardonne, mais... ça y est, ça y est. Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient. Ça y est. Ouya papa, ouya papa, ouya papa, ouya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle Intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre? Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Aigle Intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle Intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle Intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge. Entendu. Aigle Intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un, dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline,
vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre a parlé. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons. Vrai faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors peut-être. Une, deux, flexion des papattes. Une, deux, extension de la queue. Chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid. Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Hé, hey, petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais. Si vous pouvez accorder-moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Todor, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? Deux seulement, Bogdan. Seigneur Luke, telegrama para los dos señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Poldavie reviendra au premier des deux princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord? À pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Todor. Bon débarras. Dis-moi, Luke, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça? Luke? Luke? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a poor lonesome cowboy. Thank you.
Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli. Brave garçon. Sans eux, ils ne sortiraient jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai! Luc nous rattrape toujours! Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Ber, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie, petit saumon frétillant, d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit saumon frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit saumon frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit saumon frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si! Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme sœur de Grand Ours maintenant.
dernier qui rigole, je lui colle une beigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de mulot gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Hargneux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégé, intouchable. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre, t'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi! 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 Mulot gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... tant de la danse. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leur preuve, mon fils. N'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille, on est tous des durs. Mulot gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé les escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille des Plumées prépare mon cheval. Castor Hargneux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses! Mon frère perd son temps. Jamais Mulot gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte.
Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, oh, regardez Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence, vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent, excellent, bravo. Vous avez une petite pièce, Rhett. C'est un bon début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Non! Nous sommes les Dalton. Moi, je suis Jesse James. Oh, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Ça devient une habitude. Adieu, Lucky Luke. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Comprends bien. Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassé. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi. Mon petit saumon, où es-tu? Pour récupérer le colt de Luc, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours. C'est pas parce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera.
Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Oh ! Ça doit être une épreuve ancestrale. Ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. Ah ! En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. On peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Oh. Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah! On peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu! Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Ah! Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ugh!
laisse cet ours bouffer le Diluc ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité. Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe, tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme. Grand ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours, elle sera une grande chef. Castor Arnu regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Et vous? Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy. Je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Ouachtatou, la tribu de bisons mal embouchés? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luke. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis nos peuples. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Quoi ? C'est ma mère. On ne les tient plus à cet âge-là. Je vais ici. Cessez cette corrida. Soyez raisonnable, Madame McAllister. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense? Mais vous n'avez pas honte! Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. Quatre jours d'arrêt dans ta chambre. Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous, occupez-vous de votre cabasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Ouachtatou, vous comprendriez.
un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef! Hé! Encore! Si Bison Grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison Grisonnant! Bison Grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison Grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux! Ah! Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars. Sinon, Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cowboy. Bison Grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison Grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulcinée. Mais Bison Grisonnant est encore agile. Il a de bon reste. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouh! Bison, tu m'entends? Bouh! Bison, je suis là. Bison, mais je suis là. Juliette jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette, belle comme jument sauvage galopant dans prairie. Je ne dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet indien. Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas. Si. Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison. Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, indien de malheur. Mon Bison. L'amour donne des ailes à Bison Grisonnant. La peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. Macalister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes. Bison mal embouché prévient Macalister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait! J'ai enfermé ma mère au gnouf. Dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien. L'ancêtre est consigné au tipi.
Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourtereaux ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. Ouvre la porte. Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir. Bonne nuit, maman. Ah! Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève, mon bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'une heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Eh? Tiens, tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Eh? Je vais en faire du carpaccio de ton bison de père. Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande pesantée. Hop, hop. Laissez-moi faire. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Luc. Si vous le prenez comme ça... Ansel, Jolly, il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frère de la plaine. Stop. Signé, Bison mal embouché. J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef. Ils les ont retrouvés? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith.
Je te sens cocasse sous ton scalp, mon bison. Grâce à Juliette, Bison Grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Bison Grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp en queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison Grisonnant ici présent? Oui. Bison Grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui. Bison Grisonnant veut marier Belle Loutre Radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour $2 de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non, merci. Une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Ouachtatou. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient mort. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça? Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous, nous sommes rusés. Voilà ce que nous allons faire. C'était un jeu d'enfant, Luc. Il dort à poing fermé. J'ai retrouvé mon scalp moumoute.
de munitions, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes, les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut. Mais on se battra. Préparez-vous à faire feu. Soldats, on tire au flanc pendant le feu. Ben quoi? Je suis mort. Si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Maman! Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beau frère à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de lard, Bison Grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. Et j'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à popo. Cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Il est à moi. Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous. Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc. I'm a poor lonesome cowboy. On va te trouver un docteur en ton plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Pingpik, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot, Yihin Yirang. Lucky Luke. Cowboy américain, voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et... rentre en plan. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux. Li Pingpik est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà.
C'est le premier échec de Leaping Peak. Ne vous en faites pas, Leaping Peak. Contemplant n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme c'est mineur en mauvaise mine. C'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Leaping Peak. Et docteur Witty Titfeather, comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, saint de corps et d'esprit. Tout à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Qu'est-ce que je disais? Un début de scoliose. Et le foie, ça doit pas être joli joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Leaping Peak, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Leaping Peak. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes patraque, rachitique, scrofuleux. Avec la doxine du docteur Doxay, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxay. Et un miracle à 1 $, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxay. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, 1 $ seulement. J'en prends une. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Étranger, moi aussi tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais. Aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrowmind, je lui ferai cracher son or à se donner tas de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Oh. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Leaping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y, mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Oh, hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, John Beck? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui! Cool Pod! Ouais! J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit! Oubliez ce charlatan! Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines! La doxine du docteur Doxay! Ce type est un escroc. Calomnie! Shérif, je vous prends un témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas.
ça dégage le nez et ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est gouléant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Tant qu'il y aura des dollars, il y aura de la toxine. Monsieur, sachez que le docteur Wittitit Feather consulte dès 14h. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômée de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier, ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez. C'est pour votre bien. La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testez et approuvez. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Pig a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Oh! Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme! La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Pig de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé au loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe! Qui m'a marché dessus? Demandez la doxine du docteur Doxay. Une bonne rasade et c'est le retour du peps. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos. Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon. Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la doxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle en blousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez sale comble. Espèce de cochon! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais. Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé. Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne doxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat. Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la doxine. $1 seulement. Bravo. Grâce à votre chien, Dox et triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non. J'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire.
Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tous ces pierres-cannes, ouais, pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les Ping-Ping. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotteux, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de chez Rocky. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Hop, 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 hop. Ah. Je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Living Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer? Moi, je veux bien. Hey, chacun son tour. Même pas mal. Toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval. Du foin. Ah! Ça chatouille! Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'ils se moquent de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Assassin. C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-le. Ouais, lynchons-le. On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Peak. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça?
Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-la, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population. Et le mercenaire est complice! Venez vite! La mine s'est effondrée! C'est la mine d'Oldtimer! Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne, il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxyl d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond. Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave. Nous on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein. La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver. Mon pauvre vieux. Attendez. Allons, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre. J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'oxyne. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? On le branche? C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le pente. Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez? Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit!
I'm a bold lonesome cowboy.